Bon, alors, désolé, il n'y a pas eu la petite cinématique de début. Donc, bonjour, bonsoir, c'est Revan, on se retrouve sur Filfilucre, je sais pas, peut-être qu'il y a un jeu de mots, je sais pas ce que ça veut dire. Si vous savez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle de... Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, le petit abonnement si je passe par là. Oui, je deviens youtubeur professionnel, mais non, attention! Non, je déconne. Évidemment. Alors, c'est un jeu de ce que je... Parce que je crois que je l'avais lancé à l'époque, parce qu'il peut se jouer en coop, en ligne et hors ligne. Et je crois qu'on l'avait lancé avec mon pote Denis, mais je me souviens même plus du jeu. Mais je me suis dit, pourquoi pas me faire une petite découverte, redécouverte, comme ça, ça pourrait être sympa. Et puis, voilà quoi. Alors. On arrive là, ok. Alors oui, est-ce qu'il y a des sous-titres dans ton jeu, s'il vous plaît? Allô? C'est apprendre les bases. Ouais, ouais, on va y aller, ouais. Vous pouvez voir, on a une base, tout ça. Modifier les préférences. Ouais. Ouais, je vais activer les sous-titres parce qu'apparemment, mon gars, tu les as oubliés. Démarrer une session coop. Et voilà, et après la mission quand t'as fini. Ok, d'accord. Allez, déjà, on va aller voir les bases. Les bases, c'est très important, la base. Et on peut choisir un personnage. Oui, d'accord, si tu veux. Je suis totalement d'accord, oui. Sélectionner un équipement. Ok, d'accord, ouais, parce qu'on peut choisir ses armes, tout ça. Ok, ok. Ouais, allez, je peux avancer là. Merci. Bon, alors, du coup. Ouais, on va aller dans les options. C'est sympa qu'ils aient fait les menus comme ça dans, en genre base d'opération et tout. Je trouve ça sympa. Alors, jeu. Allez, spéciaux. Commande, crédit. Crédit, on s'en bat les couilles. Commande, changer de posture. Il n'y a pas de sous-titres. Bon bah écoutez, on va aller apprendre les bases. Voilà, déplacement. Attends, c'est ça? Ils appellent ça didacticiel. Ouais, bon, bah écoutez. Hein. Voilà, on va prendre voilà. Elle, allez, vas-y, je sais pas à quoi ça sert. Arsenal. Équipement, c'est quoi ça? Objet bruyant. Ouais, si tu veux, vas-y. Hack. On peut prendre aussi des armes. Voilà. Et le flingue. J'ai pas un silencieux. Non, on va prendre ça. Voilà. Ah, on voit amélioration, d'accord. Et on peut améliorer les trucs sur le côté, ok. Ok, améliorer, je peux pas encore améliorer. D'accord, si tu veux. Donc attendez, je vais regarder si les personnages ils ont chose. Non, c'est juste un skin en fait. Hein. Ok, d'accord. Bon, d'accord. Donc, bah, mission, hein, coop en ligne, malheureusement. Bah, vous savez qu'il y a de la coop. Mais je crois qu'on peut jouer mission. Sélectionner mission 1 sur 3. La case, la banque, le manoir, le gratte-ciel. Allez, la case. Alors, c'est quoi? Un principal, le masque basque, antiquité, secondaire. Ça, c'est les missions, d'accord. Obligation anonyme, argent sale, clé de la voiture. Défi, débarrassez-vous de 3 gardes, désactivez l'alarme, ok. Arrêtez la presse, enfumez. Okay, je sais pas ce que c'est ça, bah, écoutez, on va y aller. Et après, d'accord, démarrer la mission, monter dans le fourgon, ok, d'accord. Ça fait genre un jeu de braquage, tout ça, d'accord, d'accord. Vous voyez, j'ai beau avoir commencé le jeu, je me souvenais absolument pas. Ce qui m'avait intéressé, moi, à l'époque, c'était surtout la coop. Bon, allez, let's go. On va voir ce que ça donne. J'espère que je serai pas très mauvais, pas trop mauvais. Donc ouais, bah écoute, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Par contre, s'il y a que 4 missions là, c'est un peu abusé quoi. Je sais plus combien le jeu il coûte et tout, et franchement, ce jeu, j'en avais jamais entendu parler. Je sais même plus comment je suis tombé là-dessus, pour tout vous dire. Je sais même pas s'il est connu, s'il est reconnu. Je sais même pas s'il y a un test. Ah bah tu sais quoi, allez hop, jeuxvideo.com. Direct. Direct on y va sur le jeu vidéo. Alors. Comment s'appelle ce jeu? Filsilucre. Que sur PS4, action, shooter. 18€. Ah les enculés. D'accord. Je me souviens plus. Braquage à l'anglaise, d'accord. Puis il y a juste un gars qui a laissé un message sur le forum que vaut ce jeu. Un peu le concept, un gros morceau de PD, un peu.
Un gros morceau de Payday, un peu de shooter twin stick façon Helldivers, et pour finir, un soupçon de Die and Retry. Le concept est plaisant en coop, soit 2 en local ou à 3 en ligne. Mais la réalisation est un peu juste. Merci beaucoup, donc pour Solo, c'est un peu juste. Je l'ai, il est nul, je ne vais pas argumenter tellement ça ne vaut pas le coup. Buggé, injouable, moche, court et. Alors, les commentaires là que je vous lis datent de 2016. Hein. Il y a eu des mises à jour, tout ça. Donc, voilà. Ok, d'accord. Donc je suis là, ouais. Exit, d'accord. Donc on voit ce que je peux faire. Donc là je peux passer par là. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est une sorte de jeu de... Est-ce que je peux le... Nickel. Hop, je l'ai tasé. Prendre le pistolet. Sauf que. Ah, d'accord. Et là, avec les flèches, je choisis mes armes. D'accord, très bien. Donc là. Alors, attention, on voit le gars. J'imagine que quand tu es dans la pénombre, ça joue. Je peux pas voir autre part. Je peux pas voir plus loin. Oh putain. On va voir comment ça se passe. Le mec, il est là. Hop, petite élimination tranquillousse. Il y a le mec dans le bureau. Attention, on va prendre son arme. Ok, enfoncer la porte ou crocheter la serrure. Je vais attendre qu'il... Oh putain. Est-ce que je peux prendre des corps? Non, je peux pas les prendre. Mais il y a un gars là. Il va m'entendre si je crochette. Je passe une caméra, je vois ça. Ok, d'accord. Donc, non, crocheter, c'est pas un mini-jeu et tout. T'as juste à appuyer sur le truc. Ok, d'accord. Très bien. Donc, on va attendre qu'il aille là-bas. Je sais pas s'ils vont me voir par la fenêtre ou pas. On verra ça. Ah, non, là, je suis bien là. Là, je suis bien là. Ok, là aussi, il y a des trucs à prendre, on voit. Donc, bon. Ok, d'accord. Il y a la caméra hein, qu'on peut voir, heureusement qu'elle est tracée. Moi je l'ai bien éliminé l'autre, pile dans un angle où on ne voit pas trop. Allez, dépêche-toi! Allez mon con! Voilà, je suis désolé, c'est pas très passionnant ce qui se passe. Voilà, on étudie sa petite routine. Est-ce que j'ai... Attends. Je sais pas comment... Attends. Je sais pas comment on utilise... J'aurais dû regarder. Il y a aucun didacticiel. Le didacticiel, c'est juste des vieux panneaux de texte. Je suis désolé, mais faites-nous une première mission test. Là, c'est le jeu. Ouais, t'as lu? Bah allez, vas-y, démerde-toi maintenant. Ok, d'accord. S'ils veulent. Et là, bim! Et première mission réalisée. On va vite refermer la porte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Interagir. 500$. Ok, interagir. D'accord, quand t'interagis, il y a du temps. D'accord, je pique 500$. Interagir. Ah, d'accord, t'as pas de code et tout, t'as juste à interagir. Donc c'est une plus grande facilité. Ok. Interagir. Moi, j'interagis avec tout. Est-ce que ça va inquiéter des gens que la caméra elle, se soit. Non, ils s'en battent les couilles. Apparemment, je peux ouvrir la porte. Je vais la refermer. Allez, nickel. Alors, lui. Ah, si, je peux bouger la caméra un petit peu autour de moi. Avec le stick droit. D'accord. Bah, avec le stick droit, c'est normal. J'utilise la visée de mon arbalète. Donc, ok. Donc, allez, on avance. Attends, putain, merde, y a pas de gars en haut. Y a des gars en haut ou pas? Est-ce qu'il y a des gens ici? J'ai pas l'impression. Tu peux voir? Est-ce que si le mec il va venir directement ici? Oh putain, merde, il a pas intérêt. Oh, le con, je vais tenter, tu sais quoi, d'y aller juste derrière. Allez, viens, allez, tourne-toi. Dès qu'il se retourne, c'est quoi, j'utilise le. Voilà, comme ça je vais pouvoir l'assommer. Comme il marche, mort de rire.
Allez mon gars, ça va? Allez dodo. Ah si, le pistolet, ok. Ah le pistolet mitrailleur! Ah ouais! Non mais attends, 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 attends. Est-ce que je peux le lâcher à la place du flingue? Ok, d'accord. Ok, donc là on est bien. Là on est bien, là on joue bien, là on joue bien. Là, là il y a du talent là. La caméra est désactivée. Attends, est-ce qu'il y a un truc à faire ici? Est-ce que je peux utiliser ça? Là derrière, là il y a un truc. Ah oui, mais non, mais c'est un piège, ok. Donc attends, je peux passer par là, on est d'accord. Non, donc je suis obligé de passer par la grande porte. Il n'y a pas de. Attends, il n'y a pas de. Attends, attends, attends. Parce que là, regardez, là, y a... là on voit un truc. Non, on peut pas passer. D'accord. Je suis quand même. Je suis curieux là-bas, il y a un truc qui brille, c'est quoi ça? On va voir ce que c'est. Bon, attends, je les ai tous assommés. Loul. Bon, oh, c'était juste de l'argent, ok. Je peux passer par là. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités derrière. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités. Allez, on referme la porte. Hop, il va falloir que j'utilise ça. On peut voir qu'il y a des gardes là-bas. Ok, d'accord, on voit où sont les gardes. Et pour l'instant, mon infiltration s'est bien passée. Hein. Oula, 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 oula. Ok, d'accord, donc il est là-bas. Je suis obligé tous de les tuer, hein, évidemment. Et on voit la caméra là-bas au fond. Allez, c'est quoi? Attends, 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 je vais attendre qu'il passe. Voilà. Je vais aller voir ce qu'il y a sur le côté là-bas. C'est quoi là-dedans? Ah, c'est pour se cacher. Alors, je peux pas. Non, non, mais tout va bien, t'inquiète. Piégé mon gars. Voilà, on ramasse des munitions. On sait jamais si ça si ça part en couille. D'accord, donc là tout est bien planifié. Apparemment il disait les gars qu'on peut jouer à 3 en coop. Là il me faut une carte pour passer, on est d'accord. 3 en ligne et 2 en écran splitté. De toute façon, hey, attends, 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 yeah, les gars. C'est mauvais plan si je passe par là. On va refaire le même truc, mais à l'envers. Hop. Attends, attends, attends. Ok, on est d'accord. Donc il regarde là-bas. Oula. Oula, oula. Heureusement qu'ils sont un peu cons. Je dirais même moi je suis en stress. Oula 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 oula. C'est fâcheux, il y a deux gars. Oula. Bon, c'est bon, il est un peu con lui aussi. Oula 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 oula. Donc comme ça lui je peux le tuer. Lui aussi. On va essayer de jouer tranquillement. On va essayer de jouer bien. On va essayer le beau gameplay. Non. Attends. Il rentre, ok. Donc lui au pire je peux l'attendre ici. Oui je sais ça marche pas beaucoup mais bon. Ah, je sais, je sais. Faut attendre que je vais. Il faut attendre que. Je vais attendre qu'il vienne là. J'active ça. Et je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu qu'il vienne par ici. Eh, attendez, attendez, j'ai des trucs collants là. Donc, ouais, je peux peut-être l'avoir par deux là. Je vais attendre qu'il vienne. Là, 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 je suis bon. Voilà. Allez, on est bien. Voilà, allez, hop, ça fait un souci en moins. Ok, attends, est-ce que je peux récupérer son pistolet? Non, faut que je le change. Je garde la,
le truc. Donc maintenant, on va pouvoir diriger là-bas plus en sécurité. N'est-ce pas? Allez, dépêche-toi! J'attends que le gars il vienne et qu'il sorte. Quand il repartira dans l'autre sens. Non, c'est vrai, je me souviens, je pense qu'on s'était bien éclaté avec. Bah, j'imagine, avec le poteau de nid sur ce jeu. Bon, après, c'est un jeu de. Ouais, parce que tu prépares ton casse entre guillemets et tout. Donc, ouais, c'est vrai, il a bien résumé le gars sur le jeu de Pacom. Un petit peu de Payday, un petit peu de Twin Stick. À mon avis, l'aspect Twin Stick Shooter. Oula! Et je sais pas ce que j'ai activé, mais je l'ai activé. What's going on with this? I've got a problem. I'll check it out. De quoi, de quoi? I think I've been for Terry again. Where is he? Les crocheter, on est bien. Et il me voit pas normalement. Allez mon gars! Bon, ben je suis mort comme une merde. Bon, mon plan n'était pas si infaillible que ça. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, bon bah on va retourner à la planque. Donc voilà, c'était Filsilucre, voilà, un petit jeu mélange entre, ouais, entre jeu pas vu par-dessus, Twin Stick Shooter comme on dit, tu dois planifier tes trucs, un peu d'infiltration et tout. Ça peut être sympathique, ça peut être sympathique. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Voilà, comme vous pouvez voir, je finis juste avec ça. Le choix du personnage, ça sert à rien, c'est juste... c'est juste du cosmétique. Après on peut améliorer ses armes, tout ça et tout. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, bon bah écoutez, c'était Filsilucre, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, il se joue à 2 en coop hors ligne et 3 en coop online. Donc ça peut toujours être sympa, ce genre de jeu à plusieurs. Allez, cette fois-ci c'est pour de vrai, je vous dis à bientôt sur le réseau.